Kwa imu ane konse konse komu tiko kuhona valungu wetu wakika onde wakisanga valu mutu wa Ami wapa nuponji Kiembe kaswili mwela bintu Alias mfankulu walesa mwana wazamu Source iko netusaidia kwa wakati kuko shida fulani juu ni fazi ya mizimu. Les coutumes est en train de prendre place comme ça se doit. Avant l'indépendance, il y a eu le grand besoin que les Basanga vivent ensemble. Ikumela kwa nsu ki para kwa le tamashina makolege. Il y a deux choses qui caractérisent le peuple Basanga. Deux. Pas trois, pas quatre. Deux. Le Musanga, c'est un peuple pacifique, la paix. Mais quel est l'objectif du Rwanda? C'est de faire en sorte que le sangaphone qui est à côté de toi vive mieux. C'est ça l'objectif. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de ni 12 kurazeti ule mwanamke ngali tu wa kitoto 12 kurazeti mwile mkuba njoi kuwa richesse yetu tulikuwa ba commerce banene. Donc en tout cas cette redevance minière c'est un ouf de soulagement. Mais qu'on puisse nous dire où va l'argent de la redevance minière. Redevance minière, d'accord. Quand j'ai eu la première fois une redevance minière, j'ai acheté un camion Fuso. Donc c'est une miette qui tombe du ciel. Le Luanzo Luanikuba doit vérifier, contrôler comment est utilisé, ces redevances-là sont utilisées comment. La solidarité réunifie tout le peuple Luanzo Luanikuba autour d'un idéal commun. Le débat doit être plus élargi que le débat de la politique. Parce que le monde ne se construit pas uniquement avec les politiques. Nous ne pouvons pas laisser la politique aux autres et ne pas faire la politique. Mais nous voulons que cette politique-là ne vienne pas diviser les enfants dans une seule maison. Pour essayer d'unifier le plus nos frères, c'est de mettre à la tête les gens qui n'ont pas la casquette politique. J'ai toujours dit que dans les débats intercommunautaires, si nous tenons à réaliser la cohésion, nous devons briser les complexes de supériorité. Nous sommes le seul peuple hospitalier et le seul peuple libéral. Sortie officielle dimanche 22 novembre 2020 à partir de 16h dans la salle Mahadini de l'immeuble Hypnose de Lubumbashi sur invitation. Sous le haut patronage de Son Excellence Jacques Kiabula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga.